Messieurs, Grodlek, tu es en face donc de ces hommes qui tiennent dans la maison en feu tes amis. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as échangé quelques ravissantes politesses avec celui qui t'a traité de couard, qui n'a demandé qu'une seule chose, c'est que tu te casses vite, très vite, en criant comme une fillette. Qu'est-ce que tu fais? Il t'a traité de demi-homme, c'est dégueulasse. Il t'a traité d'homme. Je vais lui expliquer mon point de vue d'une façon différente, un peu plus de façon rapprochée. Donc je le charge. Bien. Arrêtez de parler. Donc, alors que tu charges, donc je laisse te déplacer, donc tu utilises la règle pour montrer vers lequel tu charges. Oh, prends appui sur le caillou. Celui qui m'a manqué de respect. Ok, bah y a les autres qui te barrent la route, évidemment. Bah, je vais essayer de... Ils ne peuvent pas barrer la route. Ils peuvent pas barrer la route. Fais un truc classe, ouais. Propulse-toi sur le caillou. C'est ça. Et fais un saut comme ça en slow-mo. Ça. C'est qui l'ornement de jardin? Bah, coup de genou dans sa tête. D'accord. Donc, évidemment... Les autres te barrent la route, ces sbires. Alors que lui, il recule. La chose qui fait certainement l'action la plus impressionnante qu'il va faire, c'est sortir un cigare artisanal et utiliser le feu de l'incendie pour se l'allumer et te regarder avec un grand sourire pendant que tu charges. Alors ça, c'est classe. Alors mon but, c'est vraiment de le charger lui. Hein. Donc même s'il y a les deux autres, je vais essayer de les défoncer. Ok. Bah, sur la route. Essaye, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va tester. Allez, essaye de les bourrer. Allez, le G, c'est l'heure du G, les enfants. On y croit. Allez, j'espère pas. Je me suis entraîné toute ma vie pour ça. Si c'est un coup critique, ça va être un meurtre. L'autre, il a mangé son cigare. Là, c'est ton moment. Il y a un dessin à la clé. Il y a un dessin à la clé. Ouais, dépêche-toi. Je viens de lancer le dé. Rien ne se passe. 86, je rate. Oh, la dame dans l'œil. Il essaye de prendre appui sur le caillou, mais il ne peut pas. Il est trop petit. Il s'empoigne sur l'épée comme ça. Oh merde! Le caillou s'élève de 5 cm au dernier moment. Ça partait d'un bon centimètre. C'est la voix off, tu sais, qui manipule le décor. Tu sais, ses deux doigts comme ça qui prennent le rocher, qui l'élève de 5 cm au dernier moment. Les actions qui partent d'un bon sentiment mais qui foirent à cause des jets de dés, je connais ça, je compatis. Très sincèrement, on est là. Et donc, oublie pas donc d'utiliser la règle et pour montrer où est-ce que tu déplaces et déplace ton personnage. Et quand t'arrives. C'est les deux mecs au milieu qui l'attrapent, qui le soulèvent comme ça. Il faut sortir de la boîte de nuit, monsieur. Tu sais, ils te prennent sous le bras. Je vais l'attraper. Méchant. Donc, ils te font mal. Enfin, du moins, ils essayent. Je vais lancer un dé de 100 pour eux. Hop, on le voit. Alors. On peut le voir. Ah oui. Oh non, c'est pas possible. Oh, oui. Il y en a, il va pour mettre un coup de dague. Il était trop petit, il empale son pote. C'est pas possible. Genre, c'est terrible. C'est pas possible. Non, mais lui, il avait pas vu non plus que le rocher s'était levé de 5 cm. Donc, il s'y attendait pas. Il s'attendait pas à un coup de pute du MJ. Vidéo surtout gueule. Lui. Les pires héros face aux pires sbires de la galaxie. Non, en fait, je savais qu'il allait rater. C'est... Donc, c'est lui. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu arrives et tu le regardes, tu fais t'hésites, tu sais, tu vas pas au bout de ton action, puis lui, il sait pas si tu vas aller au bout de ton action, du coup, il va pas au bout de ton action quand même, et vous ressemblez à rien tous les deux, là, ça. Tu l'as trop mindé, quoi. Tu l'as trop mindé. Et il y a le troisième qui est là, qui vous regarde, vous savez. Le combat de merde. C'est ça. En deux secondes, on se tire par les cheveux. C'est ça. Il hésite entre achever son pote ou t'attaquer. Donc... Aïe. Ouais. Mais mes amis sont en train de brûler quand même. Donc, ça se passe bien, son pote attaque. Son pote attaque. Au secours. Son pote attaque. Son pote attaque. J'ai plus de tête. Attends. Deuxième GD pour son pote. Deuxième GD pour son pote, vas-y. Ah, c'est fait. Ah, ce sont deux quand même. Oh, trois. Alors, lui, c'est le professionnel. Lui, il est venu. Aujourd'hui, c'était la journée. Amenez vos enfants à l'école. Enfin, amenez vos enfants au travail. Lui, c'était un sbire, un vrai. Son gosse a essayé, il était là.
comme ça, puis lui, il a fait non. Le gosse débile. Voilà. Ouais, je suis soldat comme papa, ouais. C'était un stagiaire, le premier. C'est ça. C'est lui le vrai boss, en fait. Et donc, lui, il arrive sur le côté et il sort un bâton qu'il a à la main et te donne un coup dans les côtes. Donc, tu t'élèves de... parce que t'es assez lourd et pas très grand, donc pour toi, c'est doublé taille quasiment. Tu t'élèves de 15 cm et lorsqu'il donne un coup dans les côtes et tu vas perdre... Je vais lancer un dé de 4 pour savoir combien est-ce que tu perds. Un dé de 4 plus 1. Hop, 3. Tu perds 3 points de vie. Donc je te laisse descendre ta barre de vie. Et donc tu es sur le côté et vous entendez le bruit étouffé, ceux qui sont à l'intérieur de la bâtisse en feu, en train de dire « Mais aidez-nous !» pendant qu'il y a Chine qui est « Rebourrez le gulou quand même !» J'ai pas un accent comme ça, dis donc. Le gulou, quoi. Et donc, c'est Mr. Popo. Il y a moins des bouilles. Et donc, tu t'es pris un coup dans les côtes. Donc, tour de table au niveau de l'action. Théo, qu'est-ce que tu fais? D'un coup d'œil rapide, la porte d'entrée doit être bloquée. Je vais me diriger par là. Je vais jeter d'un coup d'œil rapide la fenêtre qui est ici. Oui. Et voir si elle est bloquée. Et ensuite, si elle est bloquée, je vais me diriger par là pour ensuite aller voir si c'est la fenêtre qui est là, si qui est ici, est bloquée ou pas. Pas la fenêtre qui est en bas à gauche, je pense. Toutes les fenêtres, en fait. Je regarde toutes les fenêtres qui sont... Oui, parce que de là où tu te diriges, tu peux regarder en face, à gauche, à droite, et voir clairement quelle fenêtre est en train de cramer ou est bloquée ou pas. La fenêtre qui est là, la fenêtre qui est là... En fait, ça Théo vérifie surtout parce que il y a les volets qui sont fermés. D'accord. Il vérifie surtout parce que... Au pire, les volets se pètent. Ouais. Il n'y a pas que les volets, c'est ça le problème. Donc, déjà, si tu veux t'approcher à ce niveau-là, Théo, il y a le feu qui commence à prendre, le sol qui commence à se craquer, donc le feu n'a pas encore vraiment émergé dans le bâtiment, donc ça sent aussi, mais c'est surtout le bois qui noircit, les flammes qui commencent à lécher le sol et le plafond. Donc, pendant que, hop, lui, il finit de mourir. Ah. Est-ce que tu veux l'achever, là, Donc il meurt, on est d'accord, c'est pas un démon magique qui résiste au feu de je ne sais quoi, ou un pyromancien qui était sous le cadre. Non, c'est juste un vieux. Ah, tu rigoles, qu'est-ce que j'aimerais. Non, mais c'est pour être sûr, hein, il meurt. Un kill. Shit, tu peux vérifier la fenêtre qui est ici? Ok, ouais, mais... Parce que toi, tu pourras l'éteindre, le feu. Théo a dit ce qu'il voulait faire, maintenant c'est à Bob qui dit ce qu'il veut faire. Écartez-vous, je vais défoncer la porte d'entrée. D'ailleurs, juste une vérification à MJ juste avant, est-ce que mes sorts de feu ne mettent que le feu ou est-ce qu'ils explosent? Ils peuvent éventuellement exploser si tu te concentres, si tu réussis un bon test. D'accord, parce que l'objectif étant d'exploser la porte d'entrée, mais... Tu fais un kamehameha en fait. Non un petit kamehameha. Ah bah... Non, parce que c'est un rayon, un caméméra, puis c'est de l'énergie, ça n'a rien à voir en fait. Non, c'est une boule de feu, la boule de feu explose. En fait. Elle se répand pas juste comme du napalm, ça explose comme une bombe. Ouais. Comme un ouf. Ok, écoute, pourquoi pas, tu peux tenter. Mais j'ai d'abord dit écartez-vous et j'attends de voir ce que les gens font avant de tirer parce qu'il est toujours sur la route, l'autre. L'autre Théo. Théo et je sais pas, de toute façon je suis imbu du feu, j'ai balancé une boule de feu, il y a des flammes partout, je suis dans mon élément là, j'ai plus 50 à tout mes jets, c'est la folie. C'est pour ça, moi j'ai pas de soucis par rapport à toi, mais c'est Théo surtout, voilà. Lui il peut se prendre des dégâts de feu dans la gueule, donc... Ça va, je peux pas rester devant, c'est très sympa. Tu me dis de pousser, je me pousse. Écartez-vous. Ok, vas-y. Est-ce que je peux prendre du temps pour la charger un peu, quitte à passer un tour ou autre, histoire d'être sûr qu'elle soit bien grosse celle-là, tu vois? Alors si tu passes un tour, en effet, donc Théo, ce que tu perçois, c'est en effet que le feu non seulement s'étend très très vite parce qu'il est alimenté, et puis en plus de ça, les accès sont bloqués. Et toi, tu vas cuire comme une tortue, quoi, si ça continue à ce rythme-là. Qui, moi? C'est pour ça qu'il faut sortir de la maison très vite. Donc ouais, moi j'ai une armure, ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Cuire comme une tortue. Il faudrait très belle expression. Il faudrait qu'il y ait un peu de cohésion, là. Je vais laisser Bob faire son machin. L'autre, il part à gauche, l'autre, il veut défoncer la porte. Si ça marche pas, on peut prendre cette armoire et s'en servir pour la balancer contre la fenêtre ici, pour
découvrir ce qu'il y a derrière. On passe à travers la volée. Ouais. Mais bon, d'abord. Tu peux pas les foncer, toi, avec ta force de paladin d'inquisiteur Je suis pas le taureau non plus. Non, bah non, c'est clair. Un petit volet, un volet nouné. Du coup, attends, juste avant, Seb, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que t'es le seul à pas avoir bougé, à pas avoir claqué d'action en fait. Ben, c'est pour ça, je te vois toi foncer sur la porte d'entrée, la tête baissée, je vois Théo partir dans l'autre sens, donc voilà, je veux vite, prendre. Mais les gars, vite. On fait quoi? Ben, je suis Théo en fait, parce que voilà, je sais que Bob il est insensible au feu, donc il ici, aura pas de problème. En effet, Théo, tu vois que l'accès est bloqué. Là, il te suffit de voir qu'il y a eu quoi? Une petite brèche à peine, ça a fait appel d'air et le feu est rentré à tout va. Maintenant, il y a le pilier, le seul pilier principal, en fait, le seul pilier de la maison. Les flammes commencent à lécher de bas en haut, de haut en bas, et tu ne peux plus l'utiliser comme appui. Et très rapidement, ça risque de prendre sur l'autre pilier qui est à côté, qui fait le coin du mur. Tu peux pas, tu peux pas faire une attaque à pistolet à eau, je sais pas. Ouais, mais justement, je veux faire ça, je veux me concentrer sur le passage qu'on va utiliser pour sortir, en fait. C'est pour ça qu'il faut définir. Il faut passer par l'endroit où il y a eu l'appel d'air en fait. Comme ça, moi je peux arroser de flotte de partout, éteindre les flammes, et toi tu peux passer. Il faut faire ça très dis-moi, vite. Dis-moi où est-ce que tu te concentres. Tu restes là où tu es, Bob, pour te concentrer. Ah bah oui. Enfin, si je peux m'avancer un petit peu, histoire d'être enfin pas assez loin de l'explosion, parce que je suis quand même pas con, faut quand même pas déconner. Mais si je peux faire en sorte que j'ai une claire visibilité entre moi et la porte et que je sois pas gêné ouais, c'est probablement le seul endroit. Par le pilier. Oui, ici, le seul endroit, ici ça m'a l'air bien, je vais être sincère, voilà, c'est... Que je caste, je fais mon cast là, hein. Le gros cast, hein. Ça va être le casque, celui-là, si je peux y mettre des PV pour booster le G ou la puissance ou ce que tu veux, là je vais tout balancer dans celui-là, hein. c'est ma gloire hein. Ah celui-là, si la maison explose pas avec, je rends mon tablier, je lâche mon casque, ouais, je me barre. Seb, j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse son machin, parce que là, je pense qu'on va faire. Bah là, ouais, mais il y a plus urgence. Lui il veut faire son fanfaron, voilà, même si c'est pour sortir d'une maison. Il est en train de se la péter, pardon, en train de se concentrer. Et donc, Théo, toi, tu t'apprêtes. Tu sais, par contre, toi, c'est lequel de vous deux, entre Théo et Shin, qui a des connaissances artisanales je crois que c'est moi. C'est plutôt Grunley qui est déjà à la base, ça c'est sûr et certain. Mais après, j'en ai, ouais, j'ai 15% d'un artisanat. Ok. Donc, toi, tu sais que ce qui va se passer, c'est que dès que une partie du bâtiment va être fragilisée et vous allez forcer le passage en explosant une partie du mur, eh bien, avec la fragilité qui a été cultivée avec le feu sur le côté, probablement ça va s'effondrer. Parce qu'à la limite, ce qu'on peut faire, c'est on peut se mettre. Shin, tu peux te placer derrière Bob pour te préparer à l'attraper au cas où il est trop mal en point. Moi, je me mets là. Et comme ça, dès que l'ouverture est faite, je peux sortir et rusher à travers pour taper les premiers. Mais te mets pas aussi près, espèce de débile. Tu vas te prendre l'explosion en pleine face. Mais sauf si tu réussis ton coup, Bob. Ah, non, si je réussis mon coup, ça ferait au contraire une putain d'explosion qui nique le mur. Et mon pote aussi. C'est dire, je peux pas contrôler une explosion. Je suis pas démolitionneur. Et si je gèlerais la porte en prévention, c'est-à-dire si tu fais une belle explosion nette et propre, ça congèlera, ça gèlera les bords. Non, mais faut arrêter les enfants, je veux péter le mur, après on voit ce qu'il en reste. Soit je foire mon coup et la maison brûle deux fois plus, soit je foire mon coup et dans ce cas-là la maison est pétée, le mur est ouvert, ce qui est cool, mais Théo est en train de mourir à cause des points de vie de l'explosion. Vite, c'est en train de cramer là. Ah, écartez-vous. Bon, allez, vas-y, tire. Allez, envoie ta sauce. Et donc tu te concentres, tu as pris un tour donc pendant ce temps-là, ce qui se passe avec Grunleck, qui est en train de gérer l'action. Pendant qu'il s'est pris un coup de masse sur le côté. Il est au sol, t'es peu. C'est le mec qui lui prend son bras, il fait pourquoi tu tapes. Pourquoi tu tapes De se faire tabasser comme s'il était un bandit. En mal de pourquoi tu sais, Grunleck, tu vois, c'est ça qu'on reconnaît l'esprit d'équipe quand même. Tu vois. Les mecs, alors, ils t'encouragent, moi, je suis là pour ils les aider et tout. C'est clair, moi je suis le seul à pas te cracher dessus parce qu'honnêtement, je sais que t'es à 1 contre 3 derrière. Alors 1 contre 2 parce que le 3ème il se la pète un peu. Mais ça. 1 contre 5. Alors attends, oui, mais honnêtement, contre Timmy, je fais des G à 98, tu risques rien, mais c'est son papa qu'il va falloir commencer à craindre avec ses G à 3, lui. Parce que. Allez, vas-y. Donc, allez, Grunleck. J'ai une idée. Oula. Le MJ va me dire si je peux le faire ou pas. Ça craint. Écartez-vous les mecs. Je voudrais puiser dans mes points de vie. Et essayer de frapper avec mon bras mécanique dans le sol pour essayer de faire une onde de choc. Essayer de faire tomber tous les gens qui y a autour. Une excellente idée, surtout si elle réussit. Tape le caillou, ça se propagera mieux. Jack style. Fais-moi un test de mental, tu vas me lancer un dé de 6 pour savoir le nombre de points de vie que ça va te retirer. D'abord le dé 6. Ouais.
Parce que quoi qu'il arrive, tu vas perdre tes points de vie. Deux. Ça va. Ok, c'est pas mal. Donc, tu perds deux points de vie et tu me fais un test de mental. Tu as 70% en mental. Vas-y. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'y crois pas une seule seconde. Non plus. Je croise les doigts pour que tu te loupes. J'y crois pas une seule seconde. Non, il faut bien que je réussisse un jet de temps en temps quand même. J'y crois pas une seule seconde. Tu peux les jeter ton jet. Vas-y, je regarde. 38, c'est bon. Ça passe bien. Bravo. Et donc, ce qui se passe, Grodlek, très énervé de t'être pris. Oui, c'est ça, là, je. Oui. Humilié presque, insulté. Ton bras, donc ton bras droit, tu vois les mécanismes qui s'agencent de manière circulaire, qui tournent un peu à la Hellboy, tu vois. Et ta main elle-même tourne dans le sens inverse des systèmes qui se mettent en marche, et alors qu'ils trouvent ça tout simplement dégueulasse. Et donc, il y en a un qui comprend toujours pas, c'est celui que tu as chargé, qui a fait 95. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur? T'as pas retiré tes PV, d'ailleurs. Je dis ça. Ouais. Merci, hein, Théo. T'auras des points d'XP en plus. Ils sont tirés, mes PV. Hein. 5 PV en moins sur 15. Et le deuxième, donc celui qui t'a donné un coup de masse dans les côtes, il relève et fait « Mais qu'est-ce que tu crois, Somion? Reste au sol !» Et quand il lève la masse en ta direction, eh ben, tu lèves les yeux. Plein d'énervement. Et donc, tu frappes au sol, il y a en effet une onde qui se propage, mais je te rappelle que c'est surtout un bras mécanique. Donc ce qui se passe, c'est que ce sont des sortes de mécanismes de métaux qui s'étendent de ton bras et qui rentrent dans la terre, en fait, limite prendre racine pour faire exploser la terre. Et faire sortir un golem géant. Non, là, par contre, tu peux planer, là. Et donc, on va dire que c'est le recul qui te fait perdre des points de vie parce que ça te nique l'épaule. Voilà, et tu as fait 38, donc ce qui est vraiment pas mal. Et celui qui avait fait 95, qui avait loupé de manière sale, lui, il est projeté donc sur lui-même et il est face au feu. Je vais lancer un test sur 50 ou moins. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il crame, exactement. Enfin, 50 ou plus, tu veux dire. Non, 50 ou plus. Oui, bah c'est quand il échoue que. Enfin, sinon, voilà. Tu changes le truc. Tout à fait. Donc, il arrive au feu, donc il se retient. Rigole pas, Bob. Te fous pas de ma gueule. Je rigole de Jimmy. Il est venu accompagner son papa pour la journée parent-élève, tout ça. Il est mort dans la trop souffrance. C'est délicieux, j'adore. Ouais, t'as pas de cœur, c'est tout. Oh non. Et donc, il y a Jimmy qui s'appuie le bras contre le charrette au dernier moment parce que c'est le seul point d'équilibre qu'il a réussi à obtenir. Et à ce moment-là, en fait, il a mis la main sur un morceau de bois incandescent et le reste du bras dans les flammes. Et il se met à crier comme une fillette, comme ils auraient voulu que tu cries, Grodlek, en fuyant. Et donc, il se met à hurler. Il court dans tous les sens en cramant, alors que lui s'est pris l'onde de choc. Il s'est retourné. Je vais faire un test pareil à 50 pour voir s'il réussit à garder l'équilibre. Ah mais c'est lui. Lui il gère, lui. Je te dis, c'est un demi-boss. C'est lui le boss, en fait. Exactement. Et donc lui, il s'est pris par contre l'onde et il est sonné. Hop, il est sonné et il fronce un peu les sourcils résolus et s'apprête à te rentrer dans l'art. Tandis que le mec, c'est la DBZ. Est allumé son cigare. C'est à la DBZ. Le mec, au moment où il va toucher le sol, c'est pas la DBZ, s'il te plaît. C'est mieux. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mec a allumé son cigare à ce moment-là. Il fronce un peu les sourcils circonspects et il pousse un peu le cigare sur le côté et il dégaine donc sa rapière. Il se rapproche de l'entrée, c'est rigolo parce que si Bob réussit son sort, BAM! Non, mais c'est chier, pas que lui, parce que tous les petits projectiles, le shrapnel, le bois, tout le bordel, les tuiles, tout ça, ça va au moins, tout le monde va prendre au moins un PV dans la gueule. En garde, il se met en garde à ce moment-là, Grodlek. Et il va sûrement te rentrer dans le lard alors que tu as la main à moitié enfoncée dans la terre avec des mécanismes qui sortent de ton bras un peu à la Akira dans le sol. Et que toi-même, humilié, blessé dans ton estime de toi-même, tu es résolu à leur faire mordre la poussière. Ce qui est déjà le cas pour l'autre qui est parti. Et au même moment, alors que le boss se met en garde, au même moment, toi, Bob, lance... Ton la boule de feu. Mais s'il te plaît, un kamehameha, c'est un rayon. Excuse-moi. Rayon d'énergie. Non, mais voilà, s'il te plaît.
C'est ça. Respecte ma boule de feu. Parfait. Est-ce que j'ai le droit de faire mon dé de sang ou quoi que ça? Ah, est-ce que avant je dois lancer un dé parce que je souhaite vraiment épuiser même dans mes points de vie afin d'amplifier le blast comme même s'il foire. Écoute, je te propose un deal. Est-ce que je peux faire un dé 6 10% de bonus par ou 5% de bonus plutôt par 2 points de vie que tu mets dedans. 5% de bonus par 2 points de vie. Ça paye cher ça. Et bah, ouais, attends, et bah écoute, je vais mettre 4 PV dedans, sans pitié. Ouais. 4 PV dedans pour un bonus de 10%. Donc 10% en moins, avec le temps de cast supplémentaire, ce qui rajoute. Quelque chose, non? Rien du tout? Le temps de cast, bah t'as déjà. Le temps de cast, je t'apporte un nouveau bonus. Allez. Oui, mais c'est de la question, mais c'est de combien? De 5. Allez, vas-y. De 5. Allez, donc ça, j'ai un bonus de. Ouais. Alors, de 5. Donc j'ai un bonus de 15%, et donc j'ai combien de volonté au départ? 70 75 il me semble. Hein. Bon, 90. Ça veut dire que là, je compte sur toi pour foirer. Hein. La je compte vraiment sur toi. Oh putain, ah, ça passe. Dieu rasible, merci, ça. Les bonus sont là. Dieu merci, les bonus sont là. Sinon, je l'aurais foiré. Je suis bien content d'avoir casté et d'avoir claqué des points de vie pour ça. Alors, est-ce qu'on peut m'enlever mes PV? Comment je fais? Théo et Shin sont bien contents aussi. Ah ouais, putain. Ouais, ouais. Non, mais comme quoi, j'ai la poisse. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Enfin, ça passe. C'est passé. Ça passe. Tu l'as sorti, ça t'a brûlé les doigts. C'est... Ah c'est clair. La goutte de transpiration comme ça sur le front. Ouais. Et donc, Bob, invoque ton pouvoir. Vas-y, je te laisse l'invoquer. Vas-y, fais-le-moi en roleplay. Ah, Par les flammes du phénix! Alors que tu lâches ton feu, il y a une colonne de flammes qui traverse la maison. Oh, y'a que tellement de chaud! Je voulais une boule de feu, mais j'ai foiré mon jet. T'as qu'un peu sans peau. Ah, c'est ça. Et en effet, heureusement que tu avais réuni tous ces points de vie que tu avais puisés dans ton énergie vitale, ton énergie démoniaque. Ah oui. Ça fait dire. comme dans DBZ et tu vois la planète et tu vois le truc. Oui. Mais ce que je voulais, c'est que ça explose, pas que ça fasse un canon. Mais bon, écoute, pourquoi pas. Ça fait une grande explosion et à ce moment-là, vous avez un doute qui vous parcourt l'échine. C'est-à-dire que pendant que toi, tu as les bras tendus devant la porte, toi, Théo, tu lèves légèrement les yeux au plafond et tu vois, en même temps que le devant de la maison est pulvérisé, tu vois tout le haut qui se fissure. D'accord. Tout le haut de la maison qui se fissure. Faites-moi un test de physique, toi, Théo et Shin, pour prendre sous le bras Bob et vous barrer de cet endroit. Physique. Je fais un jet de physique. Et pas de jet, moi. Je ne vois pas qui apparaît. 58. 58, ah, c'est réussi. 72. Mais on est les pires minables aujourd'hui. Putain. De l'impossible. Le seul qui a réussi ses jets de manière stable, c'est Papa Brigand. Papa Brigand qui est OP. oui. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début de l'émission, les mecs. C'est lui le héros de c'est la voiture. C'est ça. Oui, voilà, il y aura un spin-off sur lui. Ça. Si on arrive à le buter, on est bon. C'est lui qui t'a tout appris, Théo, d'ailleurs, il faut l'avouer. Ce travail. C'est ton père. Très bien. Donc, toi, Théo, tu réussis merveilleusement bien. Donc, je me prends une poutre enflammée sur la gueule, c'est ça. Du coup, toi, Bob, tu as les bras tendus et tu vois pas la main de Théo passer à côté des flammes, te saisir, au vol pour passer. Et il y a, je sais pas, sûrement, il y a Shin qui tu remarques sur l'étagère. Tu vois, c'est le moment d'inattention. Tu remarques sur l'étagère alors que les autres filent à travers l'ouverture, l'explosion de l'aventure de la maison. Toi, Shin, tu remarques à ce moment-là, alors que personne ne l'a remarqué, sur l'étagère ici, il y a une pomme. Oh non, sérieusement. Attends, je tiens à émettre une objection parce que tu as dit tout à l'heure, préciser, enregistrer, écouter tout ce que tu veux. Alors, on a toutes les preuves du monde. Que c'était un jet pour attraper Bob et sortir de la maison. Pas juste un jet pour sortir de la maison. Moi, je propose une deuxième chance à Shin. Surtout, bah, attends, je suis un peu la raison. Tout à l'heure, j'ai essayé de proposer des strats et tout pour sortir. Alors, par contre, si Shin... Et là, je vais m'arrêter de choper une putain de pomme. Par contre, Maillard, si Shin foire son jet, alors là, tu t'amuses. Là, tu te régales. Là, il se prend toutes les tuiles de l'univers. Là, il loue. Et donc, ce qui se passe, juste... Eh bien, il y a Théo qui a saisi au poignet Bob qui traverse la devanture de la maison qui a explosé. Au même moment, Shin qui a une demi-seconde d'inattention. Mais peut-être est-ce la demi-seconde trop ?